30 secondes de retard sur l'horaire. Qui va là? Allez, avancez un peu que je vous vois. Un seul homme est entré, j'en suis sûr. Un seul, ça suffit. Est-ce que je fais appel au reste de la garde? Oh, il n'ira plus très loin maintenant. Mais on ne sait jamais, prévenez-les. Alerte générale, alerte générale. Tout le personnel doit être prêt à intervenir. Oh, je n'y comprends rien. Qu'est-ce qu'il fait? Il est fou. Ça alors, c'est incroyable. Vous avez vu cette vitesse? Bon, placez les gars devant l'ascenseur. Il ne faut absolument pas qu'ils parviennent à s'échapper. Bien. Toute la garde doit se rendre dans le secteur 7. L'inconnu est très dangereux. Je répète, très dangereux. Vite, vite, vous êtes en retard. Surveillez son trajet. Il se trouve dans l'ascenseur maintenant. Bon, placez nos hommes et prévenez de mon arrivée. Ici la salle de contrôle. L'inconnu est dans l'ascenseur. Que personne ne tire avant mon ordre. Craig Sterling et Richard Barrett ont une façon très personnelle d'éprouver les facultés particulières dont ils ont été dotés. Des facultés humaines, aussi bien physiques que mentales, poussées à leur paroxysme. Ces possibilités leur furent attribuées, ainsi qu'à leur ami Sharon McCready, par un peuple inconnu vivant au cœur de l'Himalaya. Cette transformation est un secret pour tout le monde. Et nos amis ont promis d'utiliser leur pouvoir en se faisant les champions de la loi, de l'ordre et de la justice. Docteur Glein? Oui.
Ah, vous êtes Monsieur Tremaine. Oui, merci d'avoir bien voulu me recevoir. Oh, au contraire, je vous remercie d'avoir accepté de venir ici. Je dois vous avouer que j'ai toujours très peu de temps pour recevoir mes invités, même importants. Je m'en doute, docteur. J'ai d'ailleurs un cours dans quelques minutes, alors j'espère que vous m'excuserez de m'affairer devant vous. Oh, mais bien sûr, je vous en prie, docteur. J'ai lu le rapport que vous m'avez envoyé, Tremaine. Oh, oui. Quelle conclusion en tirez-vous, mon cher ami? Que l'on a accordé beaucoup trop d'importance à cette affaire. Oui, il est bien évident que cette intrusion dans cet établissement militaire est extraordinaire. Mais j'avoue que je ne vois pas du tout le rapport qu'il peut y avoir entre ce petit fait divers et mes recherches. Je peux peut-être vous donner des explications. D'après différentes sources de renseignements, les gardiens de cet établissement... sont des humains. Voyons, leur déposition a été recueillie pas mal de temps après ces faits bizarres. Tout ce que vous avez dans ces rapports contient des exagérations, des inventions presque. Ces jeunes soldats ont tendance à dramatiser ce qu'ils croient avoir vu, mon cher. Et pas si vite, je vous en prie, docteur Glagne. Il y a tout de même quelque chose qui peut témoigner de ce qui est arrivé, voyons. Oui, cet établissement est truffé de caméras de télévision qui ne cessent jamais de fonctionner. Le film n'est pas une utopie. Je sais, mais un film peut mentir. Tout dépend de l'angle de la caméra, de l'éclairage, de la vitesse de projection. Si vous voulez mon opinion, c'est vraisemblablement la vue du film qui a influencé le témoignage de vos soldats en les convaincant petit à petit de la véracité d'un fait imaginé. Vous me paraissez prendre cette affaire très à la légère, docteur. Vous croyez? Vous avez peut-être raison, je ne sais pas. Mais mes travaux passés me donnent le droit de juger exactement ce qui est et ce qui n'est pas possible. C'est vrai, et vous ne nous aiderez pas. J'en suis incapable, je le sais. Je suis donc obligé d'accepter votre décision. Tremaine, j'en suis sûr. Tout ce qui s'est passé ce soir-là est juste bon à classer dans la catégorie des événements inexpliqués. Et si vous voulez un bon conseil, je vous suggère de refermer le dossier et de le repasser à celui qui vous a mis sur le coup. Non, je ne pense pas suivre ce conseil, docteur. Oui, quand nous commençons une nouvelle affaire, nous examinons le moindre indice. Et très souvent, nous n'avons qu'à nous en réjouir. Voilà, et une minute après avoir fait tout ceci, il avait le cerveau d'un enfant de 2 ans. Et je vous jure que je n'exagère pas, monsieur. Il a fallu lui réapprendre à marcher. Je suppose qu'il a été longuement examiné. Oui, nous n'avons rien trouvé qui ressemble à une drogue, ni à un stimulant quelconque, ou je ne sais pas quoi du même genre. D'après le film, il semble que ce gaillard allait aussi vite que... Oui. Eh bien, Richard, continuez. Il a fait vite. Un homme de ce genre n'est pas facile à arrêter. Vous avez raison. S'il avait des amis de son acabit, aucun établissement au monde ne pourrait être en sécurité. Bien, votre travail va donc consister à découvrir celui ou ceux qui lui donnaient des ordres. Ça pourrait bien être intéressant. Ceci est le seul indice que nous ayons. Nous l'avons trouvé sur cet homme. Je présume que quelqu'un devait lui transmettre des ordres. Il sert aussi d'émetteur. Oui, durée des piles évaluée à peine plus de 5 minutes. Ça ne fait pas grand-chose. Je ne vous retiens pas. Bonne chance, chers amis. Vous pouvez emprunter ce dossier. Tout ce dont vous avez besoin y est inscrit. Est-ce qu'il n'y a que nous deux sur cette affaire? Ah, c'est vrai, j'ai déjà envoyé Mademoiselle Macready en Angleterre. En congé, à vrai dire. Ah oui? Elle ne nous a rien dit. Est-ce qu'elle vous met au courant de tous ces projets? Oh, non, mais... Alors, pourquoi cette question? Ce sera tout, au revoir. Allô, Marie? Je vous ai un rapport complet sur Mademoiselle Macready depuis son arrivée en Angleterre. Oui, monsieur. Je suis à peu près certain qu'on viendra la prendre à l'aéroport. Dernier, s'il vous plaît. Hôtel Alderney, mais c'est peut-être un piège, ne t'est-ce pas distancé? Thank you.
crois qu'ils savent que nous les suivons. Je fais partie du service, mademoiselle McCready. C'est la vérité, je vous assure. DI6, commandant Cranmore. Alors, je pense que vous connaissez le capitaine Jamieson. Nous n'avons pas de capitaine Jamieson, mademoiselle McCready. Il est peut-être dans un autre service. Ah, je vois, oui. Oui, bien sûr, où avais-je la tête? Nous tendrons tous ce genre de piège. J'aimerais vous parler d'un projet très important. Ici? Pourquoi pas? Bien. Parlez, je vous écoute, commandant Cranmore. Il faudrait que vous nous consacriez 48 heures. Il faut le demander à quelqu'un d'autre. Nous avons appelé Némésis et nous avons appris que vous n'avez pas de mission en vue pour l'instant. Voilà pourquoi nous prenons la liberté de vous demander d'être volontaire pour cette expérience, mademoiselle. J'aurais pourtant été prête à jurer que vos bureaux désapprouvaient nos services. Ah, ridicule, voyons. Il y a juste une petite rivalité, c'est tout, et puis c'est bon pour le moral. Mais pour cette petite expérience, nous avons fait appel à plusieurs services de renseignement étrangers, dont la CIA et le deuxième bureau français. Vous allez me tenter. Vous serez en bonne compagnie, je vous assure. Si vous êtes volontaire, je vous demanderai de garder le secret le plus absolu. Pourquoi moi? Parce que vous avez des qualités indispensables, ce que nous a confirmé un ordinateur en se basant sur certains, petits incidents qui se sont passés au cours des différentes missions que vous avez effectuées. C'est d'ailleurs Némésis qui vous a proposé. Alors pourquoi je n'ai pas été prévenu par Némésis? Parce que tous les services officiels ne savent rien de l'affaire. J'aimerais savoir qui est au courant, à moins que ça ne vous dérange. Je vous conduis à la villa où on vous dira tout ce que vous voulez apprendre. Je n'ai pas accepté d'être volontaire, je crois. Mais vous l'êtes, n'est-ce pas, mademoiselle McCready? J'en suis certain. Attends. Oui, j'écoute. Renfro à l'appareil. Je suis désolé, mais nous avons perdu la trace de mademoiselle McCready. Oh, non. Oui, au revoir. Impressionné? Oui, je l'avoue. Pourquoi s'entraîne-t-il? Le championnat du monde, je suppose? Oh, presque, ça fait partie du stage. Et vous voyez, tout est étudié. Arrêtez! Je vais vous présenter. Vous étiez remarquable. Oui, sans plus. Voici notre dernière volontaire. Voici Marion Grant des services secrets britanniques, Suzanne Francis de la CIA, Paul Lang, CIA lui aussi, enfin Jean Giraud du deuxième bureau. Et voici... Voici Sharon McCready de Nemesis. Numéro d'identification 120621. Diplômée de médecine et de biologie. Bonne joueuse de tennis, de volley, de golf et de mahjong. Vous oubliez de mentionner l'escrime, on dirait. Je ne mentionne que les jeux où vous êtes excellente. Alors j'ai peur que vous n'ayez pas été bien renseignée. Ne faites pas attention à Marion. Quand il y a un nouveau, faut toujours qu'elle l'énerve. En ce moment, nous faisons des expériences sur la prémonition. La télépathie viendra plus tard. Ça pourrait être passionnant. Je vais vous présenter au docteur Glagne, c'est lui qui est responsable de l'expérience. Vous avez tout le temps, Cranmore. Vous vous êtes vanté. Vous auriez peut-être intérêt à nous montrer votre habileté. Ou auriez-vous l'intention de refuser? Je ne me rappelle pas avoir inscrit l'escrime au programme de vos activités matinales. Une simple prise de contact, docteur Grant. Vous n'avez pas été engagé pour jouer, mademoiselle Grant. Vous aviez des instructions, Cranmore. Pourquoi n'ai-je pas été informé de l'arrivée de mademoiselle McCready? J'allais justement vous voir, docteur. Il y a d'abord quelques petites formalités médicales à remplir, cher ami. Voudriez-vous avoir l'amabilité de suivre Cranmore?
Combien de fois faut-il vous le répéter? Respectez vos instructions. Le moindre mot, le moindre geste, le moindre souffle ont été calculés. Enfreignez une seule fois les ordres et vous risquez de perdre la vie. J'ai bien peur que nous ne puissions pas faire grand-chose. Il nous faudra des années pour lui apprendre à parler. Aucune idée de ce qui a pu lui causer ça? Pas encore. Je vous dirais bien que nous multiplions les examens, mais nous rencontrons de grosses difficultés. Son cerveau est à peu près totalement détérioré. Vous désirez quelque chose? Vous avez un malade arrivé hier soir qui est au secret. Ah oui, mais les visites sont interdites. Oui, je sais. J'ai pleine autorité. C'est le docteur Farley qui soigne. C'est au deuxième étage, m'a-t-on dit. Je lui téléphone. Non, c'est inutile, il m'attend. Voilà, je ne puis rien vous dire d'autre. Nous lui avons fait subir plusieurs encéphalogrammes aujourd'hui, pour commencer. Vous avez les résultats? Je suppose qu'ils doivent être au laboratoire, si vous voulez bien me suivre. Carte d'identité, il a dit qu'il faisait partie des services secrets. Il me semblait si sûr de lui, si vous l'aviez vu. Vous vous souvenez de son nom? Cranmore. Oui, j'en suis certaine. Merci, mademoiselle. Alors? Nous pouvons vérifier, mais je suis sûr que nous n'en tirerons rien. Pourquoi le tuer? On était certain qu'il avait perdu la raison à jamais. Oui, mais Cranmore l'ignorait peut-être. Il savait où le trouver, il savait même comment vous vous appeliez. À mon avis, le mort représentait un danger pour ses employeurs. Vous avez vu les résultats des examens, il n'était plus question de parler de conscience. Il aurait fallu plusieurs mois avant de trouver quelque chose d'un tant soit peu intéressant. Docteur, est-ce que vous n'avez rien remarqué de particulier au cours des différents examens? Non, je ne vois rien. Ah, au moment où il a aperçu l'encéphalographe, il a semblé effrayé. Oui, c'est surprenant. Dans son état, l'appareil ne devait rien signifier pour lui, n'est-ce pas? Sauf s'il en avait déjà vu un auparavant. Oui, mais c'est un appareil inoffensif. Oui, mais mal utilisé, il peut devenir particulièrement dangereux. Levez les yeux, s'il vous plaît. Bien. Vous avez une vue absolument remarquable, mademoiselle McCreedy. Oui, j'ai pu souvent le vérifier, en effet. Votre bras, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce que c'est? Une seringue. Nous devons vous faire une analyse de sang. Mais vous n'avez qu'à vous renseigner auprès de Némésis. Nous préférons en faire une pour notre compte. Alors, où en sommes-nous, mademoiselle? Je croyais que vous deviez faire des expériences mentales, docteur. C'est exact. Mais certaines sont particulièrement éprouvantes et nous voulons être absolument sûrs que votre condition physique est excellente. Reculez la tête. Ne vous inquiétez pas, ce ne sera rien. Cela ne durera qu'une petite minute. Alors, détendez-vous. J'ai dit de vous détendre, mademoiselle. Inspirez, expirez, ne respirez plus. Ne me dites pas que vous n'avez jamais subi de radio de votre vie. Il semble qu'elle convienne, docteur Glein. C'est exactement ce que nous espérions, en fait. Alors, bien entendu, je vous le confirmerai tout à l'heure quand j'aurai tous les renseignements. Je vous remercie. Bien. Vous vous êtes montrée très patiente, mademoiselle McCreedy. Je ne pouvais rien faire d'autre. Je crois que vous me devez bien une explication, docteur Glein. Eh bien sûr. Mon bureau est par ici. Et ensuite, j'aimerais appeler Némésis. Ah, je pensais qu'on vous avait bien expliqué votre position. L'emplacement de cette villa est secret. Pas pour Némésis.
Ils savent bien entendu que vous avez accepté notre offre. Une autre communication serait superflue. En d'autres termes, vous ne m'y autorisez pas. Pas tant que vous êtes ici, non. Cette expérience est trop importante. Asseyez-vous, ma chère. Vous avez vu notre équipe, vous l'avez vu en action. Je pense que vous devez avoir une petite idée de ce que nous attendons de vous tous. Je préfère que ce soit vous qui me l'appreniez. Le vrai but de ce rassemblement est de trouver un moyen d'améliorer au plus haut point tous vos réflexes. Artificiellement. Ah, nous avons utilisé un grand nombre de stimulants, bien entendu, mais sans grand succès. Toutefois, nous avons découvert que certains agents de nos services de renseignement étaient connus pour avoir ce fameux sixième sens. Je crois que vous voyez très bien ce que je veux dire. Nous en avons choisi quatre parmi ceux qui nous ont été signalés et nous les avons entraînés pendant 3 mois. Aujourd'hui, je peux affirmer que nous avons trouvé un moyen de développer ce sixième sens. Pourquoi ce mystère, Dr. Glein? Parce que les deux couples que vous avez aperçus à votre arrivée sont les êtres humains les plus avancés de la Terre. Parce qu'ils jouent vite? Mademoiselle Macready, si vraiment nous parvenons à faire agir des gens à une vitesse 2 fois supérieure à la moyenne, il nous est primordial de trouver un moyen d'améliorer tous les centres moteurs. Les autres sens de nos sujets doivent être développés en proportion. Ainsi, par exemple, la télépathie, la clairvoyance, j'ajouterai aussi la perception. Vous devez comprendre ce que je veux dire. Oh oui. Ces quatre agents ne sont pas les seuls à posséder ces pouvoirs, nous semble-t-il. Mais ne vous y trompez pas, ma chère. Nous avons suffisamment de renseignements sur votre travail pour Nemesis pour comprendre que vous avez vous-même certaines de ces qualités. Mais la question est, qui vous les a données? Repérez ça. Bien. J'ignore la réponse à cette question, Dr. Glein. Bah, quelqu'un doit la connaître. Des histoires, tout ça. Elle ment sûrement. Ceci indique le contraire. Il devrait la pousser à fond. Mademoiselle Macready, notre travail est vital. Vous savez que des puissances ennemies font des recherches sur la perception extrasensorielle depuis des années. Et pour autant que je sache, vos talents sont nettement supérieurs à ceux que nous avons développés ici. Vous devez nous aider. Mais je vous ai déjà dit que j'étais d'accord. Alors commencez, s'il vous plaît, par me dire comment vous les avez développés. Je vous assure que je n'en sais rien. Vous me conseillez de m'adresser à Nemesis? Nemesis l'ignore aussi, docteur. Comme vous voudrez. Votre prudence ne gênera pas notre expérience. Expliquez-vous. Ce sera un combat. Vos talents contre les leurs. Et si je refusais? Je vous connais. Vous tenez trop à faire cette expérience pour refuser d'y participer. Est-ce que je me trompe? J'avoue ne rien y comprendre. Est-ce qu'elle aurait deviné le piège que nous lui tendons? Oh, que ce soit vrai ou non, ça ne fait aucune différence. Voilà le verdict. Il faut se rendre à l'évidence. Cette jeune fille nous dit la vérité, elle ignore tout. Voilà qui est intéressant. Oui, maintenant, nous n'avons vraiment plus rien à craindre de nos amis. On n'arrivera à rien comme ça. Et pourtant, ça doit être dans les environs, mon vieux. Si vraiment la durée des piles du récepteur était de 5 minutes, mais aucun de nous deux ne l'a vérifié. L'homme était un grand malade. Il ne devait pas venir de loin. Je voudrais que Sharon nous fasse signe. Sharon? Pourquoi je dis ça, à ton avis? Elle est bien en vacances, hein? Oui. Durant une seconde, j'ai eu le pressentiment qu'elle était plus ou moins mêlée à cette affaire. C'est très étrange. Il y a un village plus loin sur cette route. Allons-y, on pourra toujours prendre un verre. Qu'est-ce que tu prends? Un whisky avec de la glace. Tu te contenteras d'une bière, mon petit vieux. Bonjour, bonjour monsieur. Et donnez-nous 2 bières, s'il vous plaît. Tout de suite, monsieur. Oh, à moi. Non. Oh, d'accord. Tu as vu toutes les têtes patibulaires des gens de la région? Et voici vos 2 bières. Merci infiniment. Merci. Nous cherchons un ami d'enfance. Et il travaille quelque part dans la région, mais nous avons perdu son adresse. Non, j'avoue que sa tête ne dit rien. Quel est son nom? Wilson, Jack Wilson. Ah non, je ne le connais pas, monsieur. Il était psychiatre. Et je crois qu'il m'a parlé d'une maison de santé. Wilson, avez-vous dit? Mmh. Je crois l'avoir déjà vu. Vous avez bien parlé de psychiatre, n'est-ce pas? Oui, une sorte de maison de santé. Ça pourrait être Beeston Lodge, à moins de 2 minutes d'ici, en voiture. On n'y aime pas tellement les visiteurs. Vous avez essayé d'y entrer? J'avoue en avoir eu envie 1 ou 2 fois. Ils ont fait venir un important équipement il y a 3 mois environ. Pourtant, il n'y a pas beaucoup de malades. Eh bien, on va aller y faire un tour. Pourquoi pas, au point où nous en sommes. Votre monnaie, monsieur. Merci beaucoup. Au revoir, merci. Au revoir, monsieur. Je
n'avais jamais entendu dire que c'était une maison de santé, monsieur. C'est vrai. Je peux utiliser votre téléphone? Mais oui, bien sûr. Voilà, monsieur. Merci. Quel numéro désirez-vous? Le 12, s'il vous plaît. Voilà Sterling et Barrett. Alertez votre équipe. La même chose, s'il vous plaît, Arthur. Bien, monsieur. Je t'entends, Sharon. Tu vas bien? Très bien. Depuis combien de temps t'occupes-tu de cette affaire? Je ne m'occupe de rien du tout. Tremaine m'a envoyé ici en vacances, ou plutôt, il m'en a donné l'ordre. Je n'avais pas le choix. Alors, il savait ce qui allait se passer? Je commence à le croire. Qu'est-ce qu'il y a? Sharon est à l'intérieur. Alors, écoute. J'ai été abordée par un moustachu en sortant de l'aéroport. J'avoue avoir été suffisamment intriguée pour faire ce qu'il disait. Et puis, je pense que cela faisait partie de son plan. Il savait que je ne refuserais pas. Je me tais ou viens? C'est ouvert. On vous attend. Le docteur Glein déteste les gens qui lui font perdre son temps. Alors dépêchez-vous, Marion, sinon il vous en voudra d'arriver en retard. Pareil, vous vous joignez à notre équipe? Disons que je vais essayer. Ah, pour moi, vous avez déjà gagné. Sharon, à vous. Merci. Vous pourrez vous amuser à ça plus tard. En attendant, vous allez faire une série d'exercices qui servira à déterminer la coordination de vos réflexes. Mademoiselle McCready, dorénavant, vous allez subir l'entraînement de notre équipe. Attendez mon signal avant de commencer. Mais commencez quoi? Oh, à jouer, il faut bien lui faire plaisir de temps en temps. Ne vous inquiétez pas, nous vous ménagerons. Parle pour toi, mon vieux Jean. Cela vous sera utile. Une partie de la bande devient très enthousiaste. On est prêt, docteur. À toi, Paul. Je vois que c'est très amical. Sharon, nous sommes près de la fenêtre. Qu'est-ce que tu as découvert jusqu'ici? Rien d'important. Qu'est-ce qu'ils ont appris sur toi? Ils savent tout. Tes petits compagnons semblent te donner pas mal de fil à retordre, n'est-ce pas? Sharon, continue à te prêter à leur jeu. Nous allons joindre Tremaine. Quand reviendrez-vous? Ce soir. Disons tard dans la nuit. Allons-y. Oui. Quel est le temps? Entre 1 et 3000. L'angle de réception est pour l'instant à 1,4 degré, mais elle se corrige à temps. C'est assez étonnant. Elle n'est même pas essoufflée. J'étudierai cet exercice plus tard, mais au ralenti, si c'est possible. Docteur. Oui, oui, merci beaucoup. Je vais le lui dire. Sterling et Barrett viennent juste de nous quitter. Ah, excellent. Je présume qu'ils ont pu trouver ce qu'ils étaient venus voir. J'en suis certaine. Est-ce qu'ils sont intelligents, hein? Est-ce que nous pouvons faire une autre lecture? Oui, docteur, je suis prêt.
Plus vite, je vous prie. Vous en particulier, mademoiselle MacReady. La rapidité de ses gestes décroît, docteur. Bon. Bon. Voilà les premiers résultats, docteur. Il faut avouer qu'elle va vite. Oui, très vite. Assez. Merci à vous tous. Ce sera tout pour le moment. Rassemblement dans la pièce numéro 4 dans une heure. Mademoiselle MacReady est une femme vraiment remarquable. Mais elle ne l'est pas assez pour déjouer nos manœuvres. Quand vous l'avez envoyée en mission, vous auriez pu nous mettre au courant. Elle est en vacances, c'est grotesque. Il était certain qu'on saurait la vérité tôt ou tard. Je vous assure que j'ignorais que ces deux affaires ne faisaient qu'une. C'est très simple. Oh, vous n'espériez pas nous faire croire ça, monsieur. Vous pouvez croire ce que vous voulez, mais je vous ai dit la vérité. Alors écoutez-moi maintenant. Il y a près de 15 jours, nous avons découvert que notre ami était constamment surveillé. C'était fait très adroitement et nous n'avons rien appris en observant ces gens. Eh bien, j'ai pensé sur le moment que nous aurions intérêt à l'envoyer se reposer en Angleterre. Pour qu'il puisse l'aborder? Oui, mon cher, exactement. J'avais des hommes à l'aéroport et ils ont effectivement vu quelqu'un lui parler et partir avec elle. Mais je dois vous avouer que mes hommes ont perdu la trace de sa voiture. Mais vous ne lui avez rien dit. Voulez-vous que je lui dise? Voyons, je ne savais rien. Et puis d'ailleurs, si elle avait été prévenue, elle aurait pu le laisser paraître. Cela pouvait jouer contre elle quand elle s'est fait aborder par ces hommes ou bien la mettre en danger. Alors c'est raté. Elle est en danger actuellement. Elle est aux mains de la bande que nous poursuivons. Oui. Voilà pourquoi cette affaire m'intrigue au plus haut point. Dans cette histoire, il est question, semble-t-il, de... Eh bien, je n'ai pas de meilleur mot, de surhomme. Joli mot. Pourquoi notre Chéron a-t-elle pu attirer leur attention? Aucune idée. Aucune. Vous savez, il y a des jours où je me dis que je fais ce genre de travail depuis trop longtemps. Alors, est-ce qu'on peut la tirer de cette mauvaise posture? Maintenant, vous avez entière liberté pour résoudre cette affaire à votre guise. Vous filez immédiatement, bien sûr, mais bonté divine, soyez d'une extrême prudence. Non, je n'aime pas du tout certains aspects de cette affaire. Je n'aime pas ça du tout. Quels aspects? Jusqu'à présent, ces gens semblent avoir comme une fraction de seconde d'avance sur nos hommes. C'est comme s'ils... S'ils voulaient nous obliger à faire quelque chose. Oui, mais quoi? Vous devriez essayer. La roulette n'a jamais été mon fort. Je vous assure, vous devriez essayer. C'est vraiment un très bon entraînement. Les chances pour trois réponses exactes d'affilée sont pour ainsi dire nulles. Oh, Monte Carlo, ça arrive très souvent. Excusez-moi, mes amis, cela fait exactement 30 minutes que vous jouez maintenant. Pourquoi exactement, docteur? Pourquoi? Oui, pourquoi êtes-vous aussi précis à propos du temps? Nous raisonnons en microsecondes, mademoiselle MacReady. Il faut être très précis, vous en conviendrez. Allez vous reposer maintenant. Vous reprendrez votre travail demain matin. Vous commencerez à 7h30. Exactement. Bonsoir, docteur. Thank you.
C'est le brave crâne mort qui est en train de faire sa ronde. Je le rappelle, à votre avis? Non. Elle doit bien s'attendre à voir des gardes, si jamais il la trouve. Mort va se réveiller avec une bosse derrière la tête. On dirait qu'elle approche. Entrez, mademoiselle McCready. Justement, nous attendions votre venue. Ça ira? Oui, ça ira. Tu veux que je te dise, Richard? Nous n'avons plus de temps à perdre si nous voulons la sauver. Non, mademoiselle. Nous ne continuerons pas à tenter de sauver les apparences. Ah, oh, tant mieux. Je commençais à trouver votre petite comédie particulièrement ennuyeuse. Ces pouvoirs que vous possédez, comment les avez-vous acquis? Je vous dis que je l'ignore. N'auriez-vous aucune confiance dans votre appareil, mon cher docteur? Aucune importance. Mon intérêt était purement scientifique. Vous n'allez pas me dire que vous avez monté cette comédie pour satisfaire un intérêt purement scientifique? Mais si. Les motifs de cette petite comédie sont, si je puis dire, en route. Ils viendront pour vous sauver. Vous ne croyez tout de même pas que nous ignorons les deux autres personnes qui ont vos facultés? Oui, nous savons tout sur Craig Sterling et Richard Barrett. Ils ne vous apprendront rien. Ah non. Ma chère mademoiselle McCready, nous avons déjà toutes les informations que nous désirions. Tous vos exercices journaliers, tous vos moindres mouvements. Et même le fait que vous avez prétendu croire à notre petit subterfuge, tout est là. Tout est catalogué, analysé et fiché par cet ordinateur derrière vous. Si vous saviez que je ne croyais pas à ceci... Continuez, ma chère. Vous allez comprendre. Alors, vous saviez que Némésis faisait une enquête sur vous? Mieux que ça, nous avons provoqué cette enquête. Pourquoi croyez-vous que j'ai monté cette histoire au centre de recherche? Alors, toute cette affaire n'est qu'un piège que vous nous tendez. Et l'art, dans toute conjuration, c'est de savoir garder l'attention de sa victime occupée. La seule valeur de votre petite équipe est sa vitesse exceptionnelle. Dites plutôt une vitesse surhumaine, alliée à une force et une intelligence appropriées. Ce qui est presque une... Presque unique. C'est donc ça. Oui, ma chère. Oui, ma chère, c'est donc ça. J'ai décidé de mettre à profit tout ce que j'ai découvert. Or, les seules personnes qui ont la possibilité de gêner ce que je ferai dans l'avenir et qui risquent de tuer mes créations sont Craig Sterling, Richard Barrett et vous-même. Et mon entraînement? En donnant tous les paramètres à notre ordinateur et en se basant sur ses résultats, je dois arriver à obtenir le meilleur moyen de vous tuer tous les trois. Le voici. Thank you.
Est-ce qu'ils sont dans le jardin? Oui, ils sont entrés par le mur ouest. Bon. Vous pouvez commencer la phase finale. Avez-vous vu ces chiffres, docteur? Si vous utilisez une semblable puissance, notre petit groupe se mettra hors de course en moins d'un quart d'heure. Il leur faudra 5 minutes seulement pour accomplir leur travail. Vous savez que c'est une excellente équipe. Nous en entraînerons une autre. Ils n'auraient pas besoin d'une telle vitesse s'ils avaient des armes à feu, n'est-ce pas, docteur? C'est l'ordinateur qui a choisi les armes. Et la méthode. Il est trop tard pour changer quoi que ce soit. Accompagnez-la. Et veillez à ce qu'elles suivent mes instructions. Vous êtes sûr qu'ils obéiront à vos ordres, docteur? Ils ne peuvent rien faire d'autre, mademoiselle. Même si parfois ils semblent agir d'eux-mêmes, ils sont entièrement sous mon contrôle. Est-ce qu'ils savent qu'ils deviendront fous dans moins de 15 minutes? Ah, non. Mais ce ne sont pas eux qui vous exécuteront, mademoiselle MacCready. J'en sais certainement plus que vous ne croyez, docteur. Je sais que vous avez adapté un encéphalographe qui survolte l'énergie électrique du cerveau. Et je sais aussi que ça ne dure qu'un temps très court. Votre ordinateur s'est trompé. Ça n'a aucun sens. Si vos calculs sont basés sur la rapidité de mes réflexes, sans compter l'élément de surprise, supposons que votre merveilleux ordinateur n'ait pas toutes les informations. Oui, que deviennent les résultats si je sais comment on m'a donné mes facultés? Est-ce que ces facultés ne m'auraient pas permis de tromper vos appareils? Supposons que Barrett et Sterling soient loin d'être surpris. Ces messieurs viennent de passer la porte. Alertez Daniels. Nos amis ont fait leur entrée. Bien, je peux les lâcher. Lisez ceci. Vous devez vous y conformer à la lettre. Voici vos armes. Caméra de télévision. Comment ça va? Parfaitement. Ce combat se passe exactement comme prévu. Cela dure trop longtemps. Paul a été tué. Il est possible que je sois obligé de me joindre à votre équipe. Allez-y. Mais ne les gênez surtout pas. Comment ça va? Ça pourrait aller plus mal. Ça va peut-être me gêner. C'est sûrement ce qu'il voulait. Il faudra attendre pour le pansement. En tout cas, on sait ce qu'on est venu chercher. Oui, mais je voudrais l'emporter. Allez, ne reculez pas! Le moindre mouvement, et je tire. Vous ne gagnerez pas, docteur Glein. Vous croyez? L'un d'eux est touché, l'autre est exténué. C'est trop facile. C'est une question de temps. Vous savez bien que votre équipe va s'effondrer dans quelques minutes. 5 minutes leur suffisent. S'ils savaient que vous avez détruit leur cerveau, ils vous le feraient payer, docteur Glein. Mais ils l'ignorent. Et quand ils le découvriront, il sera trop tard. Vous les avez condamnés à être des morts vivants. Ils étaient tous volontaires, ma chère amie. Tout comme vous, d'ailleurs. Docteur, le micro est resté ouvert. Oh!
Je lui ai raconté des histoires. Je vais vous donner du temps. Reculez! Allons, allons, reculez! Malbrou s'en va en guerre. Malbrou s'en va en guerre. Tout est fini, Craig. Oui, tout est fini.